est tous en quête d'une certaine évolution. Mystique ou monétaire, donc en quête d'expansion. On sait rarement où on va, même en sachant d'où on vient. Et on est tous réticents à l'idée de crever demain. Personne fait exception, pas même le suicidaire. C'est pas lui qui le supprime, mais le mal qui le sidère. On a tous été perdus, au moins une fois dans la vie. Impuissant face aux événements, donc se soignant à l'autre vie. De mon point de vue, on a plus sang comme un qu'on le pense. Des blessures différentes, mais toujours la même souffrance. Des palliatifs identiques, car les emmerdes font pas le tri. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort à ce qu'on dit. On a tous nos zones de confort, on sortirait délicat. On rêve de toucher le soleil sans se brûler comme Icar. Donc on se ressemble au fond, c'est que la forme qui change. On a tous quelque chose de l'autre et c'est ça qui dérange. Chaque jour le bien le mal change d'avatar. Parce qu'on a tous des cadavres dans le placard. Si on se remémore juste un peu hier et avant hier, on est tous un peu tout seul lorsque s'éteint la lumière. Chaque jour le bien le mal change d'avatar. Parce qu'on a tous des cadavres dans le placard. Si on se remémore juste un peu hier et avant hier, on est tous un peu tout seul lorsque s'éteint la lumière. Ça se passe à tous les étages, on a tous mangé des taloches. On est tous un peu la lame sous ta gorge. On est un peu tout ça, je dirais la révolte. Le sang qui boue, la rage que pompe le cœur des patriotes. On est la base, la pyramide à la recherche de la sortie. On est tous un peu les balles dans la mitraille est à l'ortie. On représente le pouls social, un public averti. Pour ma part, je lance des rafales sur des beats faites à l'ordi. Si tu te retrouves dans les propos que je loge entre les séquences, tu dois comprendre chaque jour on pose des gestes lourds de conséquences. On prend tous un peu la vie, on donne tous un peu la mort. On est tous un peu d'avis qu'un autre se joue dans le couloir. On étouffe, mais la partie est loin d'être terminée. On est tous à bout de souffle mais déterminés. Pour en moyenne 78 ans de peaufinage, on finit tous par retourner à la terre au final. Chaque jour le bien le mal change d'avatar. Parce qu'on a tous des cadavres dans le placard. Si on se remémore juste un peu hier et avant hier, on est tous un peu tout seul lorsque s'éteint la lumière. Chaque jour le bien le mal change d'avatar. Parce qu'on a tous des cadavres dans le placard. Si on se remémore juste un peu hier et avant hier, on est tous un peu tout seul lorsque s'éteint la lumière. On a tous nos blessures secrètes au fond de l'âme. Une part de lumière et d'ombre, nos taux de joie et de larmes. On fait pas taire sa conscience, on peut seulement vivre avec à chaque move sa conséquence. Coupable de nos gestes, tous à tour de rôle, le pêcheur et le poisson. On est tous un peu tout ça, l'antidote et le poison. Vu qu'on est tous otages de leur machine à formater, on est tous le grain de sable qui pourra la faire sauter. Chaque jour le bien le mal change d'avatar. Parce qu'on a tous des cadavres dans le placard. Si on se remémore juste un peu hier et avant hier, on est tous un peu tout seul lorsque s'éteint la lumière. Chaque jour le bien le mal change d'avatar. Parce qu'on a tous des cadavres dans le placard. Si on se remémore juste un peu hier et avant hier, on est tous un peu tout seul lorsque s'éteint la Combien parle de choses qu'ils sont loin de maîtriser. La réalité sociale sont pas proches, les fleurés. J'essaie même plus de comprendre leur semi-raison. À chaque fois, ma patience retrouve au bord de l'implosion. Quand les cons se mettent à penser, ça crée des émules en réinventant l'eau chaude. Je m'étonne pas qu'ils se brûlent, mais le écart, c'est qu'il y a du monde pour les bacs. Et la seule optique serait pourtant de les claquer comme il faut. Une petite remise à niveau, que leurs idées de caniveau finissent comme la Corivo. Et puis le temps, c'est des sous, j'ai pas de budget pour qu'ils comprennent. Ils savent tout, surtout check les SPD, les bretelles, leur vanité coupe les pattes. Ça épate que les tout nus, je reste utile en étant ou pas reconnu. C'est vert envers les autres, davantage envers moi-même. Je deal avec mes faiblesses et mes forces sur le thème d'exacerber le sens. Parle pas de ce que je connais pas, je doutais. Là tu sais Kadhafi connais pas, sans blaguer ni bloguer, causer de trucs qui me dépassent. Nul besoin de projecteur pour me sentir à ma place. Renier mes convictions, c'est mort comme jeu. T'es l'éponge, je préfère jeter les gants à l'inertie d'un songe. Car l'inaction, c'est pire que de faire des erreurs. L'opinion sans réflexion reste un avion sans moteur. En d'autres mots, ça pull, crache, les arguments tombent raides. Mépriser son prochain, c'est impossible à défendre. Mais ça a l'air qu'y'en a plein qui gâchent rien et dénigrent à tout va pour quelques poignées de vent. Nous disant ce qu'on doit faire, orateurs déficients. Les décideurs du dimanche ont les mains tachées de sang. Pas du leur ni celui des leurs, c'est le plasma de la masse qui alimente la roue de leur ignorance crasse. Puis quoi, qui
ça dérange pas. Moi, pour commencer, je me dis qu'il faudrait instaurer le permis de penser. Mais on est libre d'expression tant qu'on reste dans la trail. Et l'ex-oppression est le reflet de l'actuel. Ils nous prennent pour des valises, on est trop divisé entre le gaz de shit et un nouveau colisée. La tactique érodée, elle a fait ses preuves. En ratissant large, ils ramassent tout ce qu'ils peuvent. Les promesses resteront au stade embryonnaire. La paresse incompatible aux révolutionnaires. Et c'est partout pareil, le monde se radicalise. Les extrêmes l'ont facile quand l'humanité s'enlise. Les grands penseurs de ce temps ont les poches profondes, redessinant les frontières à grand renfort de bombes. Les raisons de nous haïr ne feront jamais défaut. Donc la mort s'en frotte les mains et affûte sa peau. Combien parlent de choses qu'ils sont loin de maîtriser. La réalité sociale sont pas proches, les fleurés. J'essaie même plus de comprendre leur semi-raison. À chaque fois, ma patience retrouve au bord de l'implosion. Quand les cons se mettent à penser, ça crée des émules en réinventant l'eau chaude. Je m'étonne pas qu'ils se brûlent, mais le hic, c'est qu'il y a du monde pour les bacs. Et la seule optique serait pourtant de les claquer comme il faut. Une petite remise à niveau, que leurs idées de caniveau finissent comme la Corivo. Et puis le temps, c'est des sous, j'ai pas de budget pour qu'ils comprennent. Ils savent tout, surtout check les SPD, les bretelles, leur vanité coupe les pattes. Ça épate que les tout nus, j'reste lucide en étant ou pas reconnu. C'est vert envers les autres, davantage envers moi-même. J'deal avec mes faiblesses et mes forces sur le thème d'exacerbe.